today for a presentation. C'est un document. Donc, vous êtes en train de voir bien entendu. Bon, le premier document n'est rien d'autre que les clés de la littérature. Le document a été mis sur le marché depuis 4 ans, voire 5 ans. Dans ce cas, comme son nom l'indique, le document comprend des sujets pour les dissertations, en poésie, en roman, en théâtre, autrement dit, la lettre en général, plus des sujets de résumé corrigés. Alors, les fonctions de la littérature sont détaillées. Introduction, développement, conclusion, comment élaborer, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est typiquement la littérature. Elle regroupe encore une fois tous les genres, la poésie, le roman, le théâtre, le conte, etc. Alors, le deuxième document, ce sont les voies de la poésie. Ça, c'est typiquement poétique. Alors là, nous avons développé les différents aspects de la poésie. Nous avons développé quand même les fonctions. Alors, nous avons développé les fonctions de la poésie, c'est-à-dire la fonction lyrique, la fonction esthétique, l'évasion, la beauté, la fonction engagée dans le fond, l'éducation, le militantisme, etc. Nous avons corrigé quelques sujets, nous avons présenté des synthèses, nous avons aussi glissé des sujets de résumé, encore que ça. Donc, si vous voulez vous en procurer, vous savez où nous gênons, autrement dit, vous aurez le numéro tout à fait en bas de votre écran. Alors, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, comme vous avez remarqué derrière nous, cette vidéo d'aujourd'hui n'est qu'une suite logique de la vidéo précédente. Dans la musique où, précédemment, nous avions développé les règles du rythme. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la faire pour la mémoire? On avait clairement dit que le rythme n'est qu'une forme de balancement avec des intervalles réguliers qui se distinguent par des pauses et des arrêts de voix. Alors, on avait expliqué que les balancements, c'est le verre en quelque sorte marqué par des pauses bien entendu. Les intervalles réguliers, ce sont les expressions. Des pauses et des arrêts de voix, ce sont les accents en quelque sorte. Précédemment, nous avions développé les règles de l'alexandrin classique. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pour avoir un alexandrin classique, il y a 4 règles qu'il faut respecter impérativement. Lesquelles? L'alexandrin classique doit comprendre 4 accents, dont 2 fixes, 2 mobiles. L'alexandrin classique doit admettre une césure qui indique le temps fort du milieu du vers qu'elle partage en 2 parties, appelée hémicycle. Autrement dit, l'alexandrin classique admet 2 hémicycles. Et enfin, dans un alexandrin classique, le nez est toujours binaire. Alors, ça, c'est l'affaire des écrivains classiques avec qui Nicolas Boileau, dans son ouvrage présenté, je fais allusion au verbe que nous avions développé. Mais aujourd'hui, on attire l'attention des uns et des autres, c'est-à-dire qui croient que tout alexandrin classique admet une césure. Ça ne se passe pas comme ça. Un alexandrin classique admet une césure, mais il y a d'autres alexandrins. On peut avoir un alexandrin romantique ou bien un alexandrin non classique. Maintenant, le vers que vous voyez là, c'est un vers de l'homme de Besançon, l'homme des contemplations, de Hugo. Alors, Hugo déclare ici, j'ai disloqué ce grand livre d'Alexandre. Formellement parlant, est-ce que ce vers répond à un immobilier? Là, c'est ce que nous allons démontrer tout de suite. Ne l'oubliez pas, je vous avais conseillé à chaque fois, si vous êtes devant un vers, il faut essayer de le décomposer pour voir est-ce que réellement vous avez un vers de pousse-pied. Maintenant, pour réagir par rapport à ça, l'intérieur, j'ai disloqué. Ok, ce grand ni et d'Alexandre. Alors là, nous avons joué avec la règle de la diérèse, c'est pour avoir ce qu'on appelle un verbe versaillé comme verbe prospé. Là aussi, vous avez vu que entre on a mis la barre au milieu du X, c'est très simple. Si vous avez un mot en versification, alors que le mot c'est un X, mais le X est certain par deux voyelles, il faut placer la barre au milieu du X. Alors maintenant, on va voir ce que je vous explique. Un pied, 2, 3, 4, 5, 6. Un pied, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, nous avons un pied de 12 pieds. Alors maintenant, je vous dis, les accents, la douzième syllabe est automatique. Ne l'oubliez pas, les interdits, il ne faut jamais placer un accent en dessous d'une consonne ni en dessous d'un pied. Donc, autrement dit, il faut toujours placer les accents en dessous d'une voyelle. Maintenant, pour chercher les accents mobiles, est-ce qu'on aura un autre accent fixe? Là, la vraie durée de première réaction, j'ai disloqué ce gravier d'Alexandre. Ça, c'est une méthodologie. Maintenant, il y a la même tyrolienne. On sort le premier accent, on soulève des questions, chaque réponse portera ce qu'on appelle un accent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai disloqué. Qu'est-ce qu'on a disloqué? Ce gravier. Quel gravier? Ce gravier d'Alexandre. Ça veut dire que ça, nous avons un accent.
Là, nous avons un accent. Là, vous avez constaté que la sixième syllabe ne marque pas un accent. Autrement dit, dans ce cas de figure, on ne peut pas avoir un alexandre classé. Il n'y a pas de sujet. Le rythme n'est pas régulier. Maintenant, de quel, qu'est-ce qu'on a comme rythme? Là, mais comprenez que c'est un alexandre romantique. Parce que dans le fond, il y a que Hugo est venu pour remettre complètement en cause la réalité de l'alexandre classé. C'est la raison pour laquelle j'ai remis en cause ce grand trio d'alexandre. Alors, pour confirmer le type de rythme, il faut pointer. Un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds. Je vais le mettre à quatre. Plus, vous recommencez ici. Un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds. Je vais le mettre à quatre. Plus, vous recommencez ici. Un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds. Je vais le mettre à trois mesures égales. C'est ça qu'on appelle un rythme ternaire. Qu'est-ce qu'un rythme ternaire? C'est lorsque l'on comprend trois mesures égales dans ternaire, nous aurons trois. Ça, c'est l'autre type d'alexandre. Donc, descendez-vous. Ce qui croit que tout alexandre a une sujet, cet alexandre rigolé n'en fait pas partie. On le surnomme l'alexandre romantique ou bien l'alexandre donc classique. Maintenant, est-ce que le deuxième vers admet une sujet? Est-ce que c'est un rythme ternaire? Est-ce que selon l'autre type de rythme? On va essayer. Mon, si, l'on, le, voici, ma, j'ai, la, voilà. Alors, l'élève fait la réponse. 1 pied, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et le contraire. Pour gagner du temps, la réaction est automatique. Il faut toujours accentuer la deuxième syllabe en dessus de cette voie-là. Maintenant, vous revenez ici pour chercher les autres accents. Maintenant, prenez la méthode égolienne. Mon silon, c'est la première pause. Où se trouve votre silon? Le voici. Mon silon. Où se trouve votre silon? Le voici. Il change la donne. Ma gerbe. Où se trouve votre gerbe? La voilà. Maintenant, là, vous avez constaté que je n'ai pas placé l'accent en dessous de ce E, en dessous de ce B. Pourquoi? Parce que ce sont des interdits. Il ne faut jamais, encore une fois, accentuer un E ou bien une consonne. Maintenant, ici, l'élève ne doit pas donner la parole pour se faire pas, n'accepter pas d'être perdu par sa mère. Pourquoi dans sa mère, même si nous avons les quatre accents, on ne peut pas avoir un alexandre classique, on ne peut pas avoir un régulier? C'est très simple. Là où vous remarquez que nous avons deux idées différentes dans sa mère. Quelles sont les deux idées? La case de départ, on a demandé le silon. Le silon est là. Il n'y a pas une suite logique ici. Donc cette idée, c'est l'idée du silon. L'autre idée, c'est l'idée ce qu'on appelle de la gerbe. Dans ce cas-là, vous avez deux idées indépendantes. On ne peut pas avoir un régulier. Mais si le verbe a une suite logique, par exemple, l'arbre m'a dit tout haut en disant on est tout bas, ça c'est logique. Mais il y a ce qu'on appelle deux idées. Dans ce cas de figure, on n'a pas de sujet. Mais qu'est-ce qu'on a dans ce cas de figure? Nous avons un pied, deux pieds, trois pieds, l'élève mettra trois. Plus un pied, deux pieds, trois pieds, l'élève mettra trois. Plus un pied, deux pieds, trois pieds. Là, on n'a pas accentué cette syllabe, mais on la compte. Parce que cette syllabe existe, mais ça c'est un oublié, ça c'est une consonne. Le oublié se prononce, vous avez un pied, deux pieds, trois pieds, vous mettez trois, plus un pied, deux pieds, trois pieds, vous mettez trois. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ce qu'on appelle à ce virgule-là? Là nous avons trois mesures égales, mais dans ce rythme, nous avons quatre mesures égales, on le surnomme le rythme quaternaire. Qu'est-ce que le rythme quaternaire? C'est lorsque le verbe comprend quatre mesures égales, vous avez trois, vous avez trois, vous avez trois, vous avez trois. Qu'est-ce que le rythme ternaire? C'est lorsque le verbe comprend trois mesures égales, vous avez trois, vous avez quatre, vous avez quatre, vous avez quatre. Maintenant, on connaît la logique. Est-ce que le rythme s'arrête là? Si nous prenons l'exemple de la vidéo précédente, nous avions un rythme binaire. Qu'est-ce que le rythme binaire? C'est lorsque le verbe comprend deux mesures égales. Aujourd'hui, nous avons le rythme ternaire. Qu'est-ce que le rythme ternaire? C'est lorsque le verbe comprend trois mesures égales. Nous avons aussi le rythme quaternaire. Qu'est-ce que le rythme quaternaire? C'est lorsque le verbe comprend quatre mesures égales. Maintenant, dans ce paragraphe, on va essayer de lier ce verbe-là. Comment? Père, mère, don, l'âme. Ah, ça c'est le premier chiffre d'une voyelle, il ne se prononce pas. Souffert, man, souffrance, ça c'est le premier placé à la fin du verbe, il ne se prononce pas. Un pied, toujours ne l'oubliez pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et le compte est bon. La routine, ne l'oubliez pas. Ne placez jamais l'accent ici, c'est le premier. Ça c'est une consonne, ça c'est une consonne, c'est interdit. Placez l'accent en dessous de ce qu'on appelle la voyelle. Maintenant, revenons ici. Là, je trouve l'occasion pour vous dire que vous avez constaté que devant père, il y a une ponctuation,
devant même une ponctuation, n'importe quelle expression en versification, s'il y a une ponctuation devant l'expression, ça marque une cause autrement dit, il faut l'accentuer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut placer l'accent ici, en dessous de R, parce que ça c'est un E, ça c'est une consonne, ça c'est une consonne. Là, il faut faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une ponctuation ici, il y a une ponctuation ici. Maintenant, nous serons dans les dispositions de connaître chercher l'autre accent. Comment? Père, mère, dont l'âme a souffert. La ma souffrance de quoi? Ma souffrance. Dans ce cas, vous avez constaté que vous avez quatre accents, mais cela ne vous donne pas le droit de confirmer que c'est un alexandre classé. On peut bel et bien avoir quatre accents et ne pas avoir de binaire, le moins ce qu'on appelle un alexandre classé. On se verra là. Maintenant, pour confirmer, qu'est-ce qu'on a? Une, deux. Vous mettez deux. Plus un pied, deux pieds. Plus maintenant, un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds, cinq pieds. Plus un pied, deux pieds, trois pieds. Là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Là, vous avez 12 syllabes. Vous calculez, l'addition sera donc 12. Mais là, on a remarqué que les chiffres ne sont ni dans l'ordre croissant, ni dans l'ordre croissant. Autrement, les chiffres sont mélangés. Comment on appelle cette donnée? On l'appelle une busée. Il y a d'autres qui le surnomment un rayonnement accumulatif. Alors, on vous pose la question, qu'est-ce que une brisée ou bien qu'est-ce que une accumulative? C'est lorsque nous avons un grand nombre d'accents dans un verbe. Autrement dit, les accents ne sont ni dans l'ordre croissant, ni dans l'ordre croissant. Alors, donc, quatre types de nous sont sortis. Binaire, binôme précédent, ternaire est là, quaternaire est là. Nous avons ce qu'on appelle une brisée ou bien une accumulative. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre type de rime? Là, on va voir. Est-ce que ce verbe de devenir l'eau? Je ne regarderai ni l'ordre de soi qui tombe. Est-ce que ça fait un autre type de ligne? On verra plus. On dit je ne regarderai ni l'ordre du soi qui tombe. Ça, c'est le premier placé à la fin du verbe, il ne se prononce pas. Ça, c'est le premier suivi d'une consonne, il se prononce. Alors là, un pied, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, ne l'oubliez pas, c'est automatique. Il y a une seule portion ici qu'il faut placer l'accent ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je ne regarderai. Je ne regarderai. Ça, c'est la portion. Ça, c'est la voie de moins. Ni l'ordre du soir. Que fait l'ordre du soir? L'ordre du soir est en train de tomber. Je ne regarderai. Qu'est-ce que vous ne regarderez pas? Ni l'ordre du soir. Que fait cet ordre du soir? Cet ordre du soir est en train de tomber. Là, nous avons trois accents. Automatiquement, il faut oublier le rythme binaire parce que la sixième syllabe marque une pause, mais il y a pas un accent qui le précède. Dans ce cas, comment faire? Un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds, cinq pieds, six pieds. Vous voyez, six. Plus un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds. Là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons quatre. Plus un pied, deux pieds. Dans ce cas, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que la mesure devient de plus en plus courte dans les verres. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons 6, suivi de 4, suivi de 2. Dans ce cas de figure, on le surnomme un rythme qui semble être décroissant. Qu'est-ce que le rythme décroissant? C'est lorsque la musique devient de plus en plus dans les verres. Mais vous pouvez avoir l'inverse. Qu'est-ce que cela veut dire? 2 plus 4 plus 6. Dans ce cas, le rythme semble être croissant. Quand est-ce que le rythme décroissant? C'est lorsque la musique devient de plus en plus long dans les verres. Donc, ce sont les types de rythmes qu'on peut avoir en explication. Donc, nous avons ici. Un rythme ternaire, lorsque le verbe comprend la mesure égale. Un rythme quaternaire, lorsque le verbe comprend la mesure égale. Un rythme brisé, lorsque nous avons un grand nombre d'accents dans un verbe. Nous avons un rythme décroissant, lorsque la mesure devient de plus en plus courte dans les verbes. On peut avoir un rythme croissant, lorsque la mesure devient de plus en plus longue dans les verbes. Comme ça, là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce qu'on appelle un rythme qui semble être croissant. Quels sont les types de rythmes qu'on va avoir? Alors, donc, en réalité, c'est ça l'essentiel sur les rythmes. Mais le plus important est le suivant. Quels sont les indices, comme je l'ai déjà dit, il ne faut jamais placer un accent en dessous d'un mouillé ni en dessous d'une consonne. Quelle est ce qu'on appelle la recommandation? Il faut toujours placer l'accent en dessous d'une voyelle. En réalité, pour placer les accents, il faut cibler la dernière syllabe du mot. Si la dernière syllabe n'est pas accentuée, l'élève pour les accentuer dans la dernière syllabe. N'oubliez jamais qu'il ne faut jamais accentuer un mot deux fois. Donc, là, nous sommes obligés de nous arrêter là au fond de notre discours. Rendez-vous sur les dossiers YouTube dans 15 jours. Ce qui va nous. Là, nous avons présenté les dossiers, nous allons aussi revenir. Il ne faut pas oublier ça. Ça, ce sont les voies de la poésie. Là, nous avons ce qu'on appelle la littérature en général. Tous les sujets sont corrigés ici. Il y a aussi ce qu'on appelle des sujets résumés, expliqués et corrigés. Nous donnons rendez-vous dans 15 jours. Vous savez, où trouver ce qu'on appelle les dossiers, parce que les numéros seront affichés sous ce qu'on appelle la vidéo. Inch'Allah. Portez-vous bien.